Salut les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, vous avez beaucoup aimé la vidéo précédente qui était comment devenir le plus grand youtubeur de tous les temps dans Youtuber Simulator. Aujourd'hui on y retourne et pas pour n'importe quelle raison, vous allez voir ça tout de suite. Évidemment, je remercie énormément tous ceux qui s'abonnent et qui mettent la cloche, évidemment vous êtes les meilleurs. Regardez déjà, regardez cette caméra de l'enfer, vous allez voir, combien je l'ai acheté, vous montrer ça juste après. Hop, regardez ça déjà, regardez l'argent que j'ai, le nombre d'abonnés que j'ai. J'ai cumulé un petit peu, j'ai pas 1 million d'abonnés, j'ai pas 10 millions d'abonnés, j'ai pas 100 millions d'abonnés, regardez, j'ai 307 481 483. Ah non, même pas, attends. Non, mais attends, mais attendez, attends, ça c'est... Mais non, mais je vous ai dit n'importe quoi. J'ai 307 milliards 488 millions 483 842 abonnés. C'est n'importe quoi et ça me fait un total de 30 000 milliards de vues. C'est abusé et en plus j'ai la caméra la plus chère qui m'a coûté, je ne sais pas parce qu'elle est équipée. En tout cas elle a coûté super cher, moi je peux vous le dire. Elle a coûté 1 milliard 800 millions. Non, je vous dis n'importe quoi. Elle a coûté 1 800 milliards. Ok, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 1 milliard, il y a 10 milliards, il y a 100 milliards, il y a 1000 milliards, ok? C'est énorme. Et évidemment, il me manque ce dernier ordi qui coûte 11 360 milliards, ok? Et bon, on l'achète. Hop là, c'est acheté. Je vous cache pas que cet ordi-là est beaucoup plus beau que celui-ci, mais c'est pas grave, on va l'acheter pour la beauté du geste. Écoutez, voilà, hop, j'ai cumulé un petit peu de thunes, hop, full click, pour voir à quelle vitesse cet ordi va être incroyable et à quelle vitesse il va nous récupérer nos cartes SD. Donc pour mémoire, j'ai 1500 milliards de données sur ma carte SD. Hein. C'est n'importe quoi les amis, 1500 milliards. Ok, ma carte est full, on va voir, alors mon bureau est éclaté, donc c'est vraiment horrible, mais, ah ouais, j'ai débloqué des trucs du coup, je voulais vous les montrer, alors attendez, backpack, non, cadeau, non j'ai plus de cadeau, ok, bah je les ai ouverts sans faire exprès, regardez, j'ai débloqué des trucs, je pense quand j'ai passé les 100 milliards, c'est quoi ça? Oh, 1 milliard. Oh là là, et ça c'est quoi? Oh, trop stylé, un serveur. Regardez, ah non, attendez, c'est écrit quoi? Je dis, écoutez les gars, vous avez fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant vous. Vous avez atteint les 1 trillion de subscribers, d'abonnés sur YouTube. C'est absolument insane. Bien joué. Ok, bah il nous dit pareil. Ok, bon, on va customize, hein, on va customize. Déjà, je vais enlever ça. Pourquoi j'en ai 5? Ah, parce qu'à chaque fois que je passais le niveau, il m'en remettait un, d'accord. Ok, on va prendre l'ordinateur des ténèbres, voilà, l'ordinateur le plus évolué du jeu. Et on va voir combien de temps ça met à me dépenser tous mes milliards. Là, c'est parti. Oh, ça va à une vitesse, c'est incroyable. C'est incroyable, ça va trop vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Regardez la vitesse à laquelle ça descend. Oh, oh, ah, j'ai cliqué partout. Ok, donc ça a c'est allé à une vitesse incroyable. Bon, comme vous le voyez, mon bureau est éclaté. Et le but de cette vidéo, comme je vous ne l'ai pas encore dit, ça va être de refaire mon studio avec full stuff. On va tout refaire parce que là c'est vraiment horrible. Mais pour ça il va falloir qu'on aille acheter des items et pour nous faire un magnifique studio. Ok, let's go. Pour rivaliser avec celui de Overspace évidemment. Alors je crois que la chaise la plus chère c'est celle-là, 1 milliard, mais elle est horrible. Elle est horrible cette chaise. Je vais
pas prendre ce qu'il y a de plus cher sous prétexte que c'est le plus cher. Si c'est moche, ça sert à rien. Voilà, 10 millions, ça commence à être pas mal. 150 000, c'est pas cher. Parce que là, rappelez-vous, je possède sur moi 11 500 milliards. Donc des caméras, je vais pouvoir en acheter. Voilà, je vais acheter des panneaux, je vais acheter des caméras, je vais acheter un micro. Hop, 200 millions de micros, ça commence à faire pas mal quand même. Ça, c'est de la déco. Hop, ça, c'est de la déco. Voilà. Je vais prendre alors de la déco. Je vais prendre de tout. Voilà, tout simplement. Tac. Ça, c'est beau. Ça, pas mal. Ça, pas mal. La commode. Je prends une commode ou des étagères, là. Allez, je prends tout. Hop. Est-ce qu'on peut rien mettre dedans de toute façon? Voilà, je vais m'acheter de ça. Donc en fait je vais faire une sorte d'effet bois. Ce qui se rapporte le plus, ça va être quand même ce que j'ai déjà acheté. Donc on va en prendre plein. Hop. Je sais pas trop combien il va m'en falloir. Je vais en prendre 100 et puis on verra bien. Ah bah je peux pas en prendre plus que ça. Hop, c'est bon, j'ai pris de ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme déco? On va pouvoir prendre deux. On va pouvoir prendre ça. Ça non, on va pouvoir prendre ça. Ah, une petite poubelle évidemment. Oh, cette chaise elle est super belle. Attendez, elle est vachement plus belle que l'autre là, on va prendre ça. Hop, là on a rien. Qu'est-ce qu'on a par là? On va peut-être pouvoir faire un petit coin télé là. Un petit coin salon. Hop, un petit setup salon. Hop. Tac. Je vais mettre mon setup gaming, mon setup salon, ça va être stylé. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Attendez, il y a des trucs ici, c'est quoi? Un bureau. Ah, mais ouais, on peut racheter des bureaux. Ah, mais ils sont tout pourris, moi, mes bureaux. Bien sûr. Ça, c'est combien? 100 000. 100. Nul. 80 000. On va prendre ça. Je vais en prendre 3. Ah, mais non, attends. Mais non, pas du tout. Ça sert à rien. Attendez. J'ai pas de table déjà. Y a pas moyen de faire des tables. Attendez, une table basse ou un truc comme ça. Y a pas moyen. Trop bizarre. Donc pour faire table basse, il va falloir prendre ça. Hop, allez, j'en prends 3. J'en prends 4. Voilà. Et au sol, bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On verra. Ok, on verra. Allez, on va au studio. Alors, mon ordinateur le mieux, c'est celui-là. Et celui que je préfère, moi, c'est lui. Parce qu'il est vraiment beaucoup plus stylé, en fait. Beaucoup plus stylé. Mais ça n'empêche qu'on va peut-être mettre les deux. Ok, donc. Hop là. On va tout enlever. Hop. Paf. C'est un peu nul. Voilà, j'enlève tous les ordis que j'ai. Parce que j'ai tous les ordis. Non, je crois qu'il m'en manque quelques-uns, mais c'est pas grave. Et hop, voilà. Déjà, ça c'est bon. Hop, wall. Tac, on va enlever ça. Voilà, et déjà, je vais faire mon mur. Mon mur comme j'ai prévu. Donc tout le fond ça va être comme ça. Tac. Ça va être mon fond pour le tournage. Et ici on va venir genre jusque là. Je vais faire un truc un peu comme ça là. Voilà. Hop. Non, je vais remove lui. Hop, ouais, voilà, c'est pas mal. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je peux faire en asymétrie, remarque. Voilà. Ah non, symétrique, ça va être mieux quand même. Hop, là. Tac, voilà. Déjà là on est pas mal. Regardez sur ça, on est pas mal là.
Ça nous fait une sorte de fond. Moi, je voulais faire comme un fond en bois. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec ça. Voilà. Maintenant, il va falloir que je trouve un endroit pour mettre mes magnifiques prix. Car on ne peut pas les poser. On ne peut pas les poser sur le mur là. Là, je peux. Là, je ne peux pas. Voilà. Ok. Je vais peut-être mettre toi comme ça. Tac, toi comme ça. Voilà, déjà, ça nous fait un... Ah non, attendez. Si je le mettais pas plutôt comme ça. Ouais, on va faire ça. Là, on va faire un coin... Là, on va faire le coin salon. Non, bah c'est pas mal, on va faire ça. Hop, là, je vais faire ça comme ça. Hop, floor, et ici... Canap. Ah mince. Oh. Voilà. Il est où mon canap? Hop. Canap là. Je vais mettre une plante verte ici. Une étagère là. Voilà. La table basse. Comme ça. J'avais prévu un petit fauteuil en plus. Tac. Voilà. Là, on a notre petit coin salon. C'est sympa. Ici, on va avoir notre setup, évidemment. Et ici, ici on va mettre nos trophées, nos giant trophies, là. Hop. Voilà, ce magnifique... Ah non, 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 je vais pas mettre là. Je vais en mettre un là. Hop, un là. Et je vais en mettre un, le bleu, là. Vas-y. Hop, un dans chaque angle, voilà. Ça, c'est stylé. Ensuite, ici, on va faire... Ah, bah, attendez, dans mon coin salon, est-ce que je peux pas... je peux pas mettre ça. Voilà, ici. Là. Là, on va mettre nos jeux, là. Là, on va mettre les jeux. Tac. Ouf, voilà, déjà là on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que... Qu'est-ce que je mets d'autre? Non. Oh. Tac, tac, tac. Ça, je sais pas ce que... Ouais, ça c'était notre poisson rouge, voilà. On va mettre une petite plante là. Ça va être sympa. Voilà. Donc là, déjà, ça commence à être un petit peu plus stylé, déjà. Hop. Alors... Moi, je vais prendre ce bureau-là parce que je le trouve vraiment beaucoup plus stylé. Ah, quoique... Ah, mais attendez, j'avais prévu ça aussi, là. Je vais en remettre une juste à côté. Hop. Ouah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu table basse, c'est quand même cool. Tac. Ça là, voilà. Ah là, là c'est vraiment stylé. Hop, hop, hop. Le diamond button, on va le mettre ici quand même au mur. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire? Le petit diamond button qui fait plaisir, voilà. Hop. Tac, du coup, est-ce que je prends cet ordi? Ou est-ce que je prends cet ordi? Franchement, je sais pas. Je sais pas, parce que celui-ci, il est quand même beau, mais la table, elle est transparente. Et celui-ci, je le trouve moins beau, quand même. Je le trouve moins beau, mais c'est le plus performant. Alors, ce que je peux faire, à la limite, c'est que je vais prendre...
Écoute, toi, tu vas partir. Je vais te récupérer ici. Ah non, pas du tout. Là. Voilà, là, ça va être le... l'ordinateur de travail, on va dire. Avec une petite chaise ici. Voilà. Et ici, ça va être mon setup. Alors là, il n'y a pas de centre. Que ça soit là ou là, ça va pas être centré. Tac. Voilà, je vais mettre mon petit bureau comme ça. Hop, on va mettre le petit bureau comme ceci. La petite caméra. Hop, hop, hop. Je vais faire un petit peu comme Overspace avait fait, quoi, finalement. Comme ceci. Hop, les panneaux LED pour l'éclairage. Tac. Oh oh. Ils sont où les autres panneaux LED? Tac, voilà, petit éclairage à la bien. C'est pas mal, là, hein. Là, on va mettre une... dans un coin, on va mettre quoi? Une poubelle pour les déchets. Hop, une petite poubelle, là. Je pense qu'avec ce qui me reste, j'avais acheté plusieurs caméras. Je vais en faire... Je vais faire mon setup, là. Voilà, là, je vais mettre... Hop, je vais mettre une petite lampe, là. Je vais mettre une petite caméra, là. Voilà. Est-ce que c'est tout? Je vais peut-être me mettre des petits pots de fleurs, là, comme ça, pour décorer. Voilà, petit pot de fleurs, là. Tac! Je pense, franchement, là, on est bien, là. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Là, j'ai encore un pot de fleurs, assez grand, en plus. Je vais mettre ça ici. Franchement, là, c'est trop stylé. Là, on est sur un vrai setup gaming, là. On est sur un vrai studio de YouTubers. Le sol, il est... je vais le laisser en noir. Là, je le kiffe bien, mon studio. J'ai mon petit setup pour bien travailler ici, pour être productif. Là, mon setup gaming avec mon ordinateur stylé. Là, j'ai tous mes autres ordi, hein, mais comme vous savez, ça sert à rien de les prendre. Tac, est-ce que je... En fait, faut pas que j'en mette trop, quoi. Parce que si j'en mets trop, ça va être... ça va être too much, après. Ça va être too much. Je peux mettre ça, là. Ça, c'est un bureau, ça. Ça sert à quoi? C'est nul. C'est nul, c'est nul. Hop, j'ai plus que les ordi, en fait. Je vais quand même me remettre un petit distributeur, là. Hop là, voilà. Voilà, les amis. Vous avez vu ce setup de gamer. Oh là là, regardez-moi ça, ce magnifique studio. Là, j'ai mon petit coin salon avec mes prix sur le mur. Regardez, Antonin sans H, YouTube Gaming. Antonin sans H, le meilleur YouTuber du monde. Le Diamond Button. En plus, j'ai les prix d'honneur du premier YouTuber de tous les temps à avoir évidemment atteint le trilliard d'abonnés. Ça n'a aucun sens. Voilà, j'espère que ce studio vous plaît, hein. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ce meilleur studio de youtubeurs possible vous convient? Si c'est le cas, évidemment, vous me le dites comme je viens de vous le dire. Je vous remercie énormément tous ceux qui s'abonnent et qui mettent la cloche, comme d'habitude. J'ai l'impression de vous engueuler à parler comme ça, mais pas du tout, c'est juste, je suis content, voilà, je suis content. Donc sur ce, je vous laisse, ciao.